Et on est de retour. Bon, on va se lancer pour le huitième chapitre de One Who Is Many. Ce niveau-là est inspiré de Symphony of the Night, je me trompe pas. C'est comme la place sous l'aqueduc ou quelque chose de même. Sous le château, en tout cas. J'ai assez joué. J'ai plus joué, disons, à. Ouais, comment ça s'appelle? Aria of Sorrow, qui ressemblait pas mal à Symphony of the Night, en tout cas au niveau de la map. Mais ouais, c'est plus inspiré de Symphony of the Night. Alors, je vais remettre mes potions ordinaires. Attends, je vais checker où ils sont rendus mes skills. Ah ouais, commence à progresser. Bon affaire. Parfait de même. On y va avec ça. On a le bon niveau. On décolle. Petite gorgée d'eau en même temps. En tout cas, je sais que la musique vient de Symphony of the Night. Bon, ce tableau-là est assez linéaire. Je suis genre pas mal le même chemin, mais je pense que j'ai une switch qu'il faut que j'active en bas pour pouvoir progresser plus tard. Tendance à l'oublier, celle-là. Hey! Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre objet caché! Il est pas vraiment caché ben loin. Ça, ça te... une colonie de chauves-souris en état d'extinction assez rapidement. Il y avait un palier par ça. Une mimique, faire santé. Wow! Ok, ça va ouvrir. Ça en va là. Tantôt, on va être bon pour descendre. C'est juste pour ça que j'ai allé parler. Mais le cacher, ça paraît un peu avec la petite affaire, vous voyez ça là. Je sais pas si je l'avais dit avant, mais ramasser la bouffe vous donne des stats temporaires pour le niveau que vous jouez. Donc en plus de vous récupérer des HP, ben, vous allez aussi avoir un petit boost. C'est ce qui est toujours intéressant. Surtout quand on est bas niveau, hein, ou bien mal préparé. Là. Ça peut être le point qui va faire toute la différence. Peut-être que les plafonds là. Pas me laisser rentrer en dessous de l'eau. Je dis non, 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 tu me laisses rentrer. Sinon, j'arrête pas de te kicker. Un autre Astral Gouge, mais non, j'ai eu ça tantôt. Je me trompe pas, l'Astral Gouge, ce qu'elle fait, c'est que quand on utilise on des sub-weapons, n'importe quoi de ça, au lieu d'utiliser des MP, on utilise des HP. Je vois pas pourquoi je me servirais de ça, sérieusement, non. C'est plus de troubles, surtout à difficile. Quoique. Je pourrais peut-être voir une combinaison, ça vaudrait la peine. Ah, pis non. Ah, c'est ça. J'aurais pensé, disons, il y a une armure qu'on peut pogner qui s'appelle Ancient Armor, quelque chose comme ça. Qui fait que à chaque coup, on perd un dixième de nos HP, puis pour. Au plus tard, disons qu'un dixième de HP pour n'importe quelle attaque, c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'il y a des attaques qui peuvent nous faire comme 600 points de dégâts. Exemple, Dracula à Hard, il y a une attaque comme c'est genre le petit laser qu'il fait, là, qui fait sauter les murs. Là. Alors, il fait pas littéralement sauter, mais. Disons, on joue à Hard, on a misère à passer le boss juste à cause de ça, parce qu'il peut tuer toute la team d'une shot. Ça vous donne une bonne idée? Oui, bon. Hey, c'est litier. Salut les tiens. Ok, bad move. Hey des kiwis! Ah, oh, t'as rien que des MP. Je pense pas attendre à mieux que ça. Yeah.
On aime les coffres. Somersault. Somersault, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Au pire, je vérifierai pour être sûr. Ah oui. Les clams. Pas capable de manger ça. Sérieusement, les clams, fruits de mer en général, pas mon affaire. Ce qui est quand même assez étonnant pour, étonnant pour quelqu'un qui reste chaque côté d'un port. J'ai un problème de texture avec eux autres. Ah ah! Oh, mon de mon eau sacrée! Ah ah! Ah ah! Wow! Ok, ça c'était pas voulu. Un peu de cervelle, de technique de même, sérieusement, du feu. Une armure, quand même. Pas le droit de tuer de feu. Et voilà, problème réglé. Chant MP se battre contre ça. Je suis pas pour la violence contre les femmes, mais... Ah, oh, merci. Donc dans ce toc-là, c'est quand même une sorcière qui essaie de me pitcher des petites balles électriques ou magiques. Fait que, ouais. Fait des exceptions. Ok. Hop. Je me souviens pas s'il y avait quelque chose qui aurait cette... On est là, on va juste ramasser le coffre. Puis on va revenir. Ça doit sûrement être une mimique. Ouais. Ok. Ça va au moins servir à donner plus d'expérience à mes Holy Waters. Oh! J'ai oublié quelque chose ici. Bon, ça, ça doit amener à bonne place. Dans la place où je suis déjà allé. Mais il y a un coffre, et peut-être que c'est pas une mimique. Ce qui me donnerait, mais. Ah, c'est pas une mimique. Faut que ça arrive des fois. Bon, on va chercher le coffre par ici. Au. Voyez les enfants, c'est ça qu'il faut pas faire. Des moves de même. Ça te fait mon hot, puis ça m'a pris en face assez raide. Ah, t'as beau, hein? Ah, je pensais peut-être qu'il y a eu de quoi, mais... Apparemment pas. Ah, j'ai quasiment pas chaud de passer par le baril. Parce qu'il y a un coffre en bas. C'est beaucoup de zigzagage dans ce tableau-là. Okay. Crystal Necklet. Il donne la résistance au froid, je me trompe pas. Quand même en contexte, étant donné où c'est que j'ai trouvé. Mm-hmm.
là. On va chercher la quiche. Un autre mimic. Quelle surprise! Je ne l'aurais jamais cru personnellement que peut-être qu'elle allait avoir une mimic là. Ils sont pas vraiment tough à buter, ils sont juste gossants. Ah, bon québécois. Et voilà. On peut descendre pour s'enligner vers le boss. Des coffres, on commence par le dernier. Pas une cossette. Du rose beef. Étrangement, c'est ça que j'ai eu plus tôt. Fait que, ouais. Dans la face. Bon, ici, il faut pas que j'utilise celle-là, puis il faut que je la tire un peu. C'est pas ça que je veux monter en haut. Ok. Putain, avance. Oui. Ou avance pas, puis fais-moi chier, tu vois. Ok, bon. Ok. Chainmail. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose là-dedans à cause du mur, puis la manière que c'est placé, mais apparemment c'est pas le cas. C'est un total de réaction de la part de cet ennemi-là. Pizza! Non, ça n'est pas les battre contre Légion. Et t'en fais juste un paquet de corps tout poigné ensemble. C'est assez dégueulasse. Attends, regarde ça. Mais est-ce que. Une fois qu'on a le tour, il est pas vraiment dur. Surtout les petits corps qui drop en bas, regarde. Pas de problème, c'est genre. J'ai vidé la place au complet avec un couteau. Ok. Les croix, c'est comme le meilleur choix à part les haches. Moi, je peux prendre les haches aussi. Je crois que les haches sont plus efficaces. Oh! Ben, essayez. J'ai plus d'MP, faut que je peux plus. Ça, je vous ai fait longtemps que j'essaie avec ça. Et voilà. Ça, ça sent bien intéressant. Moi, c'est pas vraiment dur. Faut qu'on connaisse ses patterns. Genre, soit qu'il tire un beam comme ça de temps en temps. Soit qu'il va essayer d'en ouvrir 4 à la fois puis de faire comme une roue de feu en tournant sur lui-même. Ou qu'il va faire ses beams de même en alternance. Et là, je le mange d'en face.
rien, c'est d'essayer de faire des dégâts. Constant. Oh. Ben, non. C'était là pour en fesser. Ok, il mange en pleine face. Oh! C'est ce que je disais. Il part à tourner de même. Puis il commence à revenir assez rapidement. Bad move de moi. Bad move, bad move. Die, monster! Yes. Et puis le monstre est mort. Et un autre niveau de fête. Regarde dans 1957. C'est bien ça. Et c'est tout pour le chapitre 7 et 8. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime. Toujours apprécié. Laissez un commentaire aussi si vous voulez communiquer avec moi. Je réponds quasiment tout le temps. Ces commentaires ont de l'allure. Puis si, si en fin de compte, le commentaire sur une question, c'est quasiment sûr que je vais répondre. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon canal, ben abonnez-vous. Je sors du stock à peu près 2-3 fois par semaine minimum. Pour essayer de garder ça en vie un peu. Et avec ça, je vous dis à la prochaine.